Dernière seconde du match, pénalty pour Saintes. Le capitaine Yannick Verdier a la balle du match nul entre les mains. Score final, 33 partout. Les Maritimes arrachent le nul à Lanester. C'est un peu le reflet de cette première partie de championnat. Le début de championnat a été très difficile. On a enchaîné les mauvais résultats, à l'extérieur comme à domicile. On a su se ressaisir et aujourd'hui, je pense qu'on a fait une bonne prestation face à une très bonne équipe de Lanester. Et bon match nul, voilà. Et hier soir, face aux Bretons, également en course pour le maintien en play-down, l'enjeu était de taille. Ne pas perdre de points, surtout à domicile, face à un concurrent direct, histoire de se mettre à l'abri le plus tôt possible. Le maintien, mais un maintien plus confortable que l'année dernière, évidemment, parce que l'année dernière, on était maintenu à la dernière minute de la dernière journée. Là, voilà, on espère découvrir de nouveaux adversaires dans l'autre poule et puis se sauver le plus tôt possible. En cinquième position avant ce match, les Saintais affichent 7 défaites contre 5 victoires et 1 nul. Alors face au troisième de la poule, ne rien lâcher, même dominer, les joueurs de François Voum Voum collent au score jusqu'à l'ultime minute de jeu. Je pense qu'on peut s'estimer satisfait de ce match nul, vu la physionomie du match. Même si on a dominé par moments et puis on a déjoué par d'autres moments, on a perdu beaucoup de ballons. Mais bon voilà, on reste quand même dans une dynamique positive et donc c'est pas mal de prendre des points contre une équipe qui sera avec nous dans la poule basse. Score final 33-33. Avec ce deuxième match nul de la saison, les Saintais restent à la cinquième place avant une semaine de vacances bien méritée.